Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette vidéo qui, comme annoncé lors de la guidance des énergies de début de semaine, je vous avais dit que je vous préparais une vidéo qui serait spéciale blabla, mais pas du blabla inutile, du blabla qui va être au contraire très utile, et je vais vous demander de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous avertis, si je reçois un message ou un mail pour me dire « Alors, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» alors que j'aurais déjà tout expliqué dans cette vidéo-là, je vous garantis que je serai beaucoup moins aimable. Il va y avoir du changement qui va s'opérer et un changement très important, vraiment très très important sur la chaîne, puisque je vais planifier les choses, je vais m'organiser, et il était temps, parce que c'est bien gentil de faire les choses à l'instinct, à l'intuition, à l'instant T, à l'envie, etc., etc. Non, c'est plus possible, c'est plus jouable de faire ça comme ça. Vous l'avez vu, ce mois de mai, je n'ai pas beaucoup travaillé, et honnêtement, alors je vais pas dire que j'étais à deux doigts de renoncer à la chaîne, mais quand je vois tout le travail que j'ai accompli sur cette chaîne pendant 3 ans, tout l'investissement aussi que j'ai fait pour cette chaîne, et Dieu sait qu'il y a eu des milliers d'euros qui ont été gaspillés, on va dire investis pour la chaîne, entre les jeux d'oracle, les livres, etc., etc. Hein, à chaque fois, quand je travaillais, toutes les payes que j'avais, allez hop, je payais les factures et tout le reste, ça partait directement dans l'investissement pour la chaîne. Quand je vois les centaines, peut-être de milliers d'euros que j'ai claqués, qui auraient pu m'être très utiles, comme par exemple partir en vacances, refaire ma garde-robe, m'acheter des choses pour me faire plaisir, non. Donc tout ça, je ne le veux plus, et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu, ce mois de mai, j'ai pas beaucoup travaillé parce que j'ai été extrêmement fatigué, et je pense que là, mon corps m'a très clairement envoyé un message très fort en me disant « Jo, il faut que tu arrêtes les conneries », il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça, il faut que tu arrêtes tes bêtises, et que non, stop, c'est bien gentil d'être altruiste, c'est bien gentil de toujours penser à Pierre, à Paul et à Jacques, mais toi, dans l'histoire, tu es en train de t'oublier, tu es en train de mourir, peut-être au sens propre du terme, tout ça pour récolter des bouts de chandelle. Non, non, non. Il y a un moment donné où il faut arrêter les bêtises. Donc maintenant, voilà, c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous faire part des changements importants qu'il va y avoir. Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire et retenez-le bien, s'il vous plaît, parce que ça aussi, première, comment on pourrait dire, comment qu'on appelle ça quand on... résolution. Voilà. Première résolution que je vais faire, je ne répéterai plus rien. Ça, c'est fini. C'est-à-dire que je donne l'information une fois, de temps en temps, je ferai une petite piqûre de rappel, mais c'est terminé. Parce que ça aussi, je vous jure que ça commence à me pomper sévère le dard de répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse, et c'est ça, et il y a une mouche qui est en train de m'embêter. Mais je vous promets que répéter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt les mêmes choses, et pire, c'est que même en le répétant, on me pose encore la question. Il y a des fois, je me dis, on le fait exprès peut-être. Peut-être pour t'agacer, ou voilà, peut-être que c'est fait exprès, j'en sais rien quoi. Ou alors les gens vraiment n'écoutent rien, mais il y a un moment donné où faut aussi vous discipliner, dans le sens où j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai YouTube, j'ai Twitch. Les informations, elles circulent absolument sur toutes les plateformes. Il y a un moment donné où si vous n'avez pas l'information, c'est que vous ne me suivez pas. Donc voilà, je vais être désagréable, donc je préfère rien dire. Soit vous activez la cloche de notification, soit vous suivez ce que je fais, mais il y a un moment donné où arrêtez de poser sans arrêt des questions qui sont franchement pénibles et lourdes à la fin, alors que les informations ont déjà été données un quart de milliard de fois. Voilà. Bon, je le dis avec le sourire, parce que vous le savez, je suis pas quelqu'un de méchant et je suis pas agressif, et je tiens pas à vous agresser, c'est pas le but de la vidéo, mais il est temps que je mette les choses au clair une bonne fois pour toutes, parce que stop. C'est-à-dire que je vais rester Jojo, à savoir votre Jojo national et international et tout ce que vous voulez, et peut-être extrastellaire, hein, peut-être que dans d'autres constellations, on regarde mes vidéos, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc je resterai fidèle à qui je suis, mais je dois impérativement cadrer certaines choses, parce que là c'est en train de déborder sur plein de trucs, et là c'est plus possible. Donc et entre autres sur ma santé, et ça non, ça je peux pas me le permettre, très clairement. Donc voilà, première résolution, je livre l'information une fois partout sur mes réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. Vous allez vous abonner, vous allez me follow, parce que voilà, une fois que l'information sera transmise, n'oubliez pas aussi d'aller regarder l'onglet communauté de la chaîne, parce
parce que ça aussi c'est quand même pas bien normal que vous soyez 8000 sur la chaîne et que quand je poste un truc sur l'onglet communauté je vais avoir 20 likes. Il y a un problème là aussi, en étant 8000, le ratio d'avoir 20 personnes, c'est pas possible, hein. Et après, moi derrière, je vais avoir des mails ou des messages privés pour me dire « Ah nanana, j'ai pas eu l'info, si, c'était... si, 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 fais le nécessaire, fais des recherches, fais quelque chose, quoi, parce que c'est déjà transmis tout ça, hein, très clairement. » Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté sur la chaîne qui est important parce qu'il y a des fois quand je vous poste un petit truc qui nécessite pas de faire une vidéo, je vous le mets sur l'onglet communauté. Voilà, c'est une forme de partage parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram, tout le monde n'a pas Facebook. Donc j'essaye de coller, de faire plein de choses pour que tout le monde puisse avoir l'information à un moment donné. Mais si vous aussi, vous ne faites pas un minimum d'efforts, bah non, stop. Je vais pas non plus vous prendre par la main, vous essuyer les fesses quand vous faites pipi, il y a un moment où faut arrêter de déconner, voilà, c'est très clairement. Donc, parlons maintenant du vif du sujet, la deuxième résolution qui va être extrêmement importante pour la chaîne, c'est le planning. Alors, je vais m'établir un planning qui va rythmer la chaîne, qui va rythmer ma vie. Alors attention, quand je dis rythmer la chaîne, ça va rythmer les deux chaînes, à savoir la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Parce que Twitch, j'ai pris un plaisir immense au mois de mai à faire mes lives, à participer avec vous, à faire des jeux, etc. Vraiment, ça m'a fait du bien. Je vais être honnête avec vous, tous ceux qui m'ont suivi là sur Twitch, les soirées qu'on s'est passées ensemble, les après-midi, etc. Vraiment, ça m'a fait du bien. Mais vous n'imaginez pas à quel point, parce que là, au mois de mai... je vais pas dire que j'ai failli péter un plomb, mais le burn-out, je l'ai senti arriver. Donc là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible, Jo, tu vas ralentir, tu vas te calmer. La pression aussi que je me mets, c'est pas humain, hein. Tous les jours, faire des vidéos, les monter, les poster sur YouTube, tout ça pour des bouts de chandelle et tout, ça, je veux plus, c'est terminé. Donc, je vais mettre en place différentes choses et des choses qui vont vous plaire, puisque les consultations vont reprendre. Je vais vous communiquer l'adresse mail pour réserver. Je vais vous expliquer comment réserver, etc. Je vais aussi vous parler de rituels personnels que je vais vous proposer. Je vais vous expliquer tout ça. Ne paniquez pas. Bon, alors, le planning. Le planning va se limiter à 3 vidéos sur YouTube par semaine et 3 lives sur Twitch par semaine. Voilà. Ça, c'est le, on va dire, le minimum syndical que je m'impose. Et s'il y a des semaines où je me sens bien, que je me sens dans une énergie particulièrement créatrice, qu'il y a des idées comme ça qui viennent, etc. et que je suis dans un mood où je me sens bien, peut-être qu'il y aura des vidéos supplémentaires sur YouTube ou des lives supplémentaires sur Twitch ou les deux en même temps, voilà. Mais ça, ce que je vais vous donner, ça va être la ligne de conduite officielle des chaînes YouTube et Twitch. Alors, on commence avec le dimanche. Oui, les gens commencent le lundi, moi je commence le dimanche, voilà, c'est comme ça. Donc le dimanche, ça sera une vidéo YouTube sur les énergies de début de semaine. Ça, on garde le format début de semaine et fin de semaine. Je sais que vous aimez bien, j'aime bien aussi, moi ça me fait du bien, ça me prend pas trop la tête, parce que c'est vrai que faire les énergies tous les jours, si je veux traiter d'autres sujets, ça fait encore plus de travail, parce que du coup, il faut que je fasse une deuxième vidéo dans la journée et deuxième vidéo qui ne sera pas notifiée par YouTube, voyez le délire. Donc non, c'est plus possible ça aussi. Donc ça sera énergie début de semaine, énergie de fin de semaine, voilà, ça va rester intact. Donc le dimanche, ça sera énergie de début de semaine, voilà. Le lundi, ça sera repos, c'est-à-dire que lundi, je suis nulle part. Je fais ni vidéo YouTube, ni live Twitch. Je ne serai pas présent ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur quoi que ce soit. On me fiche la paix, je ne réponds à rien, à aucun mail, absolument à rien du tout. Nada, que dalle, que chi, que pouette. C'est-à-dire que du lundi minuit 1, voilà, du lundi minuit 1 jusqu'au mardi minuit 1, durant les 24 heures du lundi, là, je n'y suis pour personne. C'est-à-dire que s'il y a l'apocalypse, je ne sais quoi, tant pis. Si elle tombe à lundi, ça sera tant pis. Mais je ne serai pas là. Voilà, très clairement. Le mardi après-midi, je précise après-midi, après je m'adapterai bien évidemment en fonction des disponibilités de chacun. C'est-à-dire que ce que je m'apprête à vous dire là, si ça ne colle pas avec vos disponibilités,
je ferai un effort, mais ça, attention, on le fera en privé, qu'on soit bien d'accord, parce que je vois le délire arriver d'ici. C'est-à-dire que si je dis à un, c'est bon, on adapte, on décale d'un jour, après, ça va être la foire à la saucisse et ça va être valable pour tout le monde. Donc, non. Ça, c'est non, non et non. Donc, le mardi après-midi sera réservé aux guidances privées. Donc, pour ça, je vous expliquerai comment faire. Vous allez m'envoyer un mail sur l'adresse mail dédiée à ça. Attention, je ne veux pas avoir d'autres mails que ça. C'est-à-dire que si on m'envoie un mail sur cette adresse mail, c'est pour me réserver une consultation avec moi. Autre précision, les guidances auront un tarif unique désormais, parce que ça aussi, je ne suis pas un restaurant et faire les trucs à la carte, c'est plus possible. Donc maintenant, ça sera un tarif unique, c'est tout. C'est après tout, les autres professionnels, ils s'embêtent pas. Pourquoi est-ce que moi, je suis le seul à me mettre la rate au courbouillon pour essayer de faire plaisir à tout le monde? Donc non, ça c'est terminé, c'est un tarif unique, point barre. Voilà. Après tout, quand vous allez chez le psy, c'est un tarif machin. Quand vous allez voir un médecin, peu importe quel médecin c'est le même tarif. Quand vous allez acheter une baguette de pain à quelques centimes près, c'est le même tarif. Donc, il n'y a pas de négociation à faire, c'est comme ça, un point, c'est tout. Voilà. Donc, le mardi après-midi pour les guidances privées. Mais je me doute bien que certains travaillent le mardi après-midi, je suis pas chien non plus, donc c'est ça ce que je vous explique. Vous me contacterez en privé et vous me direz, je vous dirai moi la disponibilité que j'ai, puisqu'il n'y aura que 2 jours par semaine qui seront dédiés aux consultations privées. Si aucun des 2 jours ne vous va, eh bien exceptionnellement, on trouvera un créneau ensemble pour se le faire une autre après-midi ou pourquoi pas un début de soirée si ça vous arrange mieux, voilà. Mais ça, on le verra au cas par cas en privé. Donc, mardi après-midi, les guidances privées et le soir, ce sera le live Twitch. Donc, comme d'habitude, sur les coups de 20h, vous me retrouvez sur le live Twitch. Voilà. Le mercredi sera dédié aux vidéos découvertes, c'est-à-dire que je vous ferai le mercredi, ce sera une vidéo, soit une review sur un oracle, un livre, n'importe quoi, ou alors une vidéo qui va traiter d'un sujet ésotérique pour alimenter votre culture ésotérique. Le mercredi, vous le saurez, ça sera une vidéo découverte. Donc découverte, ça veut dire plein de choses et ça peut englober plein de choses. Voilà. Ensuite, le jeudi sera réservé aux énergies de fin de semaine. Hein, ça, je pense que vous avez bien saisi le rythme. Hein. Le dimanche, on fait les énergies de début de semaine pour lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, comme il est en plein milieu de la semaine, pouf, on se fait les énergies de fin de semaine pour le vendredi, samedi, dimanche. Hein. Comme ça, ça découpe la semaine en deux, c'est bien. Donc ça reste inchangé. Dimanche, début de semaine, jeudi, fin de semaine. Ensuite, le vendredi après-midi sera réservé aux guidances privées. Donc, c'est ce que je vous disais, il y aura 2 après-midi par semaine, à savoir le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Et encore une fois, je le réexplique, si jamais ça n'allait pas au niveau de vos disponibilités, on verra au cas par cas pour décaler, pour faire ensemble un autre rendez-vous qui vous arrange mieux. D'accord ? Et il y aura un live Twitch également à 20h. Donc vendredi après-midi, guidance privée, et le soir à 20h, live Twitch. Voilà. Là aussi, Twitch, je vais essayer vraiment de bien me régler. Twitch, on part sur 20h, 20h à 21h, voilà, c'est-à-dire que j'ai aussi une vie à côté, je peux très bien être en retard parce que j'ai fait des courses, parce qu'il y a un imprévu, parce que ceci, parce que cela, ou tout simplement parce que je suis en train de manger, voilà, donc si je suis pas à 20h pétante sur Twitch, vous le saurez, le créneau officiel est de 20h à 21h, voilà, donc vous jetez à partir de ce créneau-là, voilà. Ensuite, le samedi soir, il y aura un live Twitch qui se fera une semaine sur deux, on va en alternance parce que on a le petit un week-end sur deux et par conséquent c'est pas pratique de faire des lives parce que je parle quand même un petit peu fort et le petit il dort dans la pièce à côté, donc pour éviter de le réveiller, etc. Donc voilà, j'alternerai live Twitch un samedi sur deux quand on n'a pas le petit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et le samedi, il y aura une vidéo exceptionnelle en fonction des événements particuliers, comme par exemple les rituels de pleine lune, s'il y a des choses comme ça qui tombent un petit peu, voilà, et ben je me garderai le samedi pour faire ces vidéos-là spécifiques. Après, c'est pas un gros handicap, sachant que la pleine lune, il y en a qu'une fois par mois.
jusqu'à ce que la Terre change de rythme. Mais normalement, il n'y a qu'une seule lune dans le mois. Donc du coup, ça me fait qu'un samedi dans le mois à faire une vidéo particulière. Là aussi, je vais me cadrer. Je reste sur le samedi. Point. C'est-à-dire que le rituel de pleine lune, si jamais il tombe en plein milieu de la semaine, par exemple le mercredi, c'est pas grave. Je filme mon rituel, je fais mon truc. Par contre, je ne poste pas la vidéo le jour même. Ça aussi, il faut que j'arrête ce délire parce que ça m'épuise de faire mon rituel. Ça me prend déjà beaucoup d'énergie, ça me prend beaucoup de temps. Ensuite, il faut que je me dépêche à vite aller monter ma vidéo pour la poster, etc. Ça, c'est plus possible non plus. Donc, j'enregistre tranquillement mon rituel. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire, je garde mes enregistrements et le samedi après-midi, je me cale devant le PC et je fais mon petit montage du rituel de la pleine lune et pouf, vous l'aurez le samedi. Voilà, ça sera tous les samedis, ça sera réglé comme ça. Donc en fonction à voir, hein, si la pleine lune elle tombe en milieu de semaine, ce sera le samedi qui suit. Si jamais la pleine lune tombe le samedi en question, je ferai mon rituel, mais par contre, je vous posterai la vidéo le samedi d'après, d'accord, hein, parce que ouais, non, il faut impérativement que je m'organise parce que c'est plus possible. Ensuite, pour les guidances privées. Donc ça, on a terminé le planning. J'espère que vous l'avez bien noté, vous l'avez bien enregistré. Enregistrez cette vidéo, vous la mettez dans vos favoris. Comme ça, dès que vous ne vous rappelez plus, vous allez revoir la vidéo pour vous rappeler. Voilà, s'il vous plaît. Ensuite, on va parler des guidances privées. Comment est-ce que ça va se dérouler pour les guidances privées? Donc, je vous ai créé une adresse mail spécifique aux guidances privées. Donc, cette adresse mail, elle est facile à retenir. Elle va s'afficher là en bas de votre écran et je le rappelle, vous retrouverez aussi cette adresse mail dans la barre d'infos. Ça aussi, je le répète 300 milliards de fois à chaque fois dans chacune des vidéos et c'est pénible. Mais vous avez la vidéo comme ça là. En dessous, vous avez le titre de la vidéo et juste à côté, vous avez une petite flèche ou un petit plus. Vous cliquez dessus et ça va vous dérouler comme ça une liste déroulante dans laquelle vous retrouvez tout un tas de choses utiles, à savoir mon lien PayPal, l'adresse mail de la chaîne, l'adresse mail pour les consultations privées, la chaîne de Twitch, bref, vous avez toutes les informations utiles, ok? Pareil, quand je vous fais des reviews, je vous mets tous les liens pour commander l'oracle, le livre, n'importe quoi. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et vous avez juste qu'à cliquer dessus et ça vous envoie directement sur le site. Ok? Donc là encore, arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire comment est-ce qu'on fait pour se connecter? Comment est-ce qu'on fait ci? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est comme le port-salut. C'est écrit dessus. Voilà. Je peux pas faire plus simple. Donc pour l'adresse mail des consultations privées, elle s'est affichée là en bas sur la vidéo et vous l'avez en barre d'infos en plus. Et comme je suis un mec super cool, je vais même vous faire un commentaire qui sera épinglé là. C'est-à-dire que là, dans les premiers commentaires, vous aurez le mien qui sera épinglé et je vous remettrai l'adresse mail des consultations. Cette adresse-là, vous la conservez bien, s'il vous plaît. Et vous ne m'envoyez pas autre chose qu'une prise de rendez-vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Donc, vous allez m'envoyer d'abord un mail, ok? Vous ne me faites pas de paiement sur PayPal, tout ça, ça on voit ensemble. Parce que ça aussi, c'est chiant au possible de recevoir de l'argent, on ne sait pas d'où il vient. On sait pas. En plus, des fois, les comptes PayPal ne sont pas à vos noms. Donc, par conséquent, moi, j'imagine que vous pensez que je suis un médium absolument remarquable, à tel point que je suis capable de savoir qui se cache derrière le paiement que j'ai reçu. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas encore ce don. Je suis en train de le développer, ce super pouvoir, mais pour l'instant, je galère un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, vous m'envoyez d'abord un mail avec la prise de contact pour un rendez-vous, ok? Vous me racontez pas votre vie dans ce mail, d'accord? Ça, on le verra ensemble, on se fera une cam, on passera par Skype, ce qui sera plus pratique pour moi parce que j'ai mon setup Twitch qui est tout installé, donc mes caméras sont déjà prêtes, etc., etc., c'est déjà tout configuré. J'ai plus qu'à simplement ouvrir Skype et on se fait tranquille la consultation, ok? S'il vous plaît, là aussi, je veux bien faire des efforts, mais il faut aussi que vous en fassiez, c'est-à-dire que commencez pas à me demander si je fais WhatsApp, machin, bidule, et trucs. Je veux bien faire une exception de temps en temps pour quelqu'un qui vraiment s'y connaît pas ou n'a pas de PC, par exemple, pour faire Skype, quoique aujourd'hui, tout le monde quand même a un smartphone.
Et Skype, tout ça, tout fonctionne quand même sur téléphone. Donc bon, j'ai envie de dire que si vous n'avez pas de box internet, que vous n'avez pas de PC, rien de tout ça, vous avez quand même un téléphone portable, d'accord, avec lequel vous pouvez installer l'application Skype. Voilà. Bon, mais comme je suis un gars cool, je ferai un effort si vraiment vous êtes bloqué, on avisera ensemble. Donc, vous m'envoyez votre petit mail, vous ne m'écrivez pas votre vie, à savoir, j'ai 42 ans, je suis né en nanana, je suis marié à machin, j'ai 3 enfants. Ça, non, vous ne me l'écrivez pas, ça ne m'intéresse pas, qu'on soit bien d'accord. Enfin, non, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je ne veux pas le lire dans le mail, parce que ça, on le verra ensemble, quand on se fera le rendez-vous ensemble. Vous pourrez me raconter votre vie à ce moment-là, puisque ce sera un moment privilégié qu'on passera ensemble pour travailler justement que vous voulez. Donc ça pourra juste être de la guidance, ça pourrait être de la divination, ça pourrait être juste si vous avez un besoin de parler, un peu comme un psy. Je suis pas psy, mais bon, j'ai fait quand même de la psychologie, et puis à force je commence à bien connaître la race humaine, hein, voilà, avec ses déboires et ses émotions. Donc je pense être enclin. Alors bien sûr, ça ne remplacera pas un psychologue, qu'on soit bien d'accord. Donc ne vous dispensez pas de soins psychologiques ou psychiatriques si vous en avez besoin. D'ailleurs, il y a de fortes chances pour que je vous renvoie vers un professionnel si je vois que vous êtes vraiment dans un cas, pas dire désespéré, mais dans un cas qui nécessite vraiment une aide particulière que moi je ne peux pas vous apporter. Hein, c'est-à-dire que moi je peux vous apporter une aide, mais mon aide quand même, elle reste limitée. Hein, si vous avez besoin de soins ou d'un traitement ou autre, je ne peux pas vous prescrire ça, qu'on soit bien d'accord. Hein, à moins de vous prescrire des pierres, mais bon, les pierres ça va aller 2 minutes. Hein, si on parle de pathologie psychologique ou psychiatrique, ça ne dispensera pas un rendez-vous avec un professionnel. D'accord? Donc ça peut être soit pour de la divination, soit simplement pour de la guidance, pour vous aider à y voir plus clair sur une situation, pour faire le point, pour travailler, je sais pas, une problématique, une peur, n'importe quoi, tout, n'importe quoi, voilà, je peux pas mieux vous dire, absolument n'importe quoi, on travaillera ensemble, voilà. Donc, vous m'envoyez votre petit mail, vous me dites coucou mon Jojo, est-ce que tu as une disponibilité pour mardi ou pour jeudi, vous me proposez, d'accord? Moi, je vous réponds oui, mardi, je peux, j'ai de la dispo, non, mardi, je peux pas, je peux te proposer mardi prochain ou jeudi, jeudi, non. Ok, tu peux pas toi. Bon, alors on voit mardi prochain. Mardi prochain, tu peux? Non, tu peux pas. Ok. Quand est-ce que tu peux? Et là, si on est coincé, on définira ensemble un moment en début de soirée, dans la semaine, fin de semaine, début de week-end, comme vous voulez, un moment qui soit propice pour vous. Vous voyez, ça prouve quand même que je suis pas chien, hein. Et une fois que on a validé le rendez-vous, qu'on a échangé tout ce qu'il y avait à échanger, le Skype, machin, l'heure, etc., etc. Là, vous me faites le paiement PayPal pour valider et vous me précisez bien si jamais vous avez une adresse différente de votre adresse mail avec un nom différent de PayPal, vous mettez bien que c'est vous. Hein, c'est soit vous me le mettez dans le message PayPal, c'est-à-dire au moment de faire votre paiement, vous me mettez un petit message, coucou Jojo, c'est moi Julie par exemple au hasard, c'est moi Julie que voilà pour le rendez-vous de telle date à telle heure, comme ça moi je sais voilà que c'est vous, je peux checker de mon côté, ok, prise de rendez-vous faite, paiement fait, et c'est tout ok, et après on fait notre rendez-vous tranquille, voilà. Donc je peux pas faire plus clair. La consultation, là aussi, ça a été une décision unilatérale. J'ai consulté tout mon personnel. On a fait une réunion de personnel. On était un. Donc du coup, la réunion s'est achevée rapidement. Et pour les prix de consultation, je pars sur 60 euros. Pourquoi? Parce que il faut que je m'aligne aussi par rapport aux autres professionnels. Hein. C'est-à-dire que il y en a 2-3 là, ils vont pas me louper si je fais des tarifs à 20 balles, hein, alors qu'eux, ils tournent à 60, 70. 80, voire peut-être même plus pour les plus farfelus, je vais me faire aligner direct. Et en plus, ils auraient des recours légaux. Hein, c'est moi qui serais en tort. Donc, je ne prends pas de risque. J'ai regardé à peu près les tarifs. On tourne à ces zones-là. 50, 60, 70, 80, on est à ces zones-là. Moi, je pense même faire partie de la fourchette basse quand même des prix. Hein. Donc, ce sera 60 euros net TTC. Voilà. Autre précision, bien sûr, le paiement sur PayPal sera sur PayPal, hein, évidemment. Parce que là aussi, je passerai tous les mails que j'ai pu avoir qui me disaient « Est-ce que tu acceptes les virements bancaires, machin, avec des comptes suisses, des... Pardon ?» Non, 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 non. « Est-ce que tu acceptes les chèques ?» Non plus, non, je suis désolé. Je suis comme les magasins maintenant, les chèques, j'ai plus trop confiance, hein, parce que c'est très facile de faire un chèque. Et puis hop, au moment où en plus vous me l'envoyez, il faut 2-3 jours avec la poste, vous, ça vous laisse le temps d'aller bloquer le chèque à votre banque, et moi je me retrouve...
comme ça, hein, cul de poulet. Donc non, c'est ça aussi, c'est mort. C'est PayPal, point barre, c'est virement à la rigueur si vous n'avez pas de PayPal. Encore que là aussi, PayPal, vous n'avez pas besoin d'un compte PayPal pour payer avec PayPal. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire comme si vous faisiez un achat sur un site internet. Voilà, faut le savoir aussi. Donc si vous n'avez pas de compte PayPal, on voit ensemble. Je vous fais une demande d'argent, je vous envoie moi la demande d'argent et vous, vous n'avez plus qu'à payer avec votre carte bancaire comme un achat sur un site internet. Voilà. PayPal, c'est sécurisé. Croyez-moi, ça fait un moment que j'utilise PayPal, hein. Ça doit faire depuis 2014-2015 que j'utilise PayPal. Je n'ai jamais eu de pépin avec. Vraiment. Donc, ayez confiance et sécurisez. Voilà. Moi, je vous ferai un récépissé ou un accusé de réception pour te dire. Je te parle comme s'il y avait qu'une seule personne là à l'écran. Oui, bon, en même temps, il n'y a qu'une seule personne hein, derrière l'écran. Enfin, derrière chaque écran. Bon, bref, je ne vais pas commencer à m'écarter. Donc, oui, je vous disais. Voilà, je vous fais un petit récépissé pour vous dire, un petit mail, bien reçu le paiement, parce que là quand même on parle de 60 balles, on parle pas de 5 euros pour un rituel, hein. Là on parle quand même de 60 euros qui est une petite somme, donc je vous ferai un petit accusé pour vous dire, check, c'est bon, c'est ok. Voilà, donc pour les consultations, je le dis, je le redis, sera le mardi après-midi et le jeudi après-midi, point barre, et je me limite à 2 consultations par après-midi, parce que là aussi je sens le coup venir que si je me lance dans des trucs à enchaîner les consultations, je vais m'épuiser et je vais tenir 15 jours avant de craquer et d'être remalade de nouveau, donc ça on n'en veut plus, hein. Donc ce sera 2 consultations par après-midi, début d'après-midi, fin d'après-midi, point barre, et on part sur 1h30. Voilà, 1h30. En 1h30, ça laisse quand même le temps de dégrossir pas mal de choses, de traiter pas mal de sujets, hein, voilà, et de bien papoter ensemble. Et moi ça me laisse comme ça un petit peu de temps, c'est-à-dire que je vais faire des séances de 2 heures, je ferai 1h30 et moi ça me laisse une petite pause d'une demi-heure histoire de boire un petit coup, me rafraîchir, etc., me reconditionner dans les énergies pour repartir bien propre, parce que enchaîner façon usine, hein, ou les 0,8,99, c'est pas mon délire. Très clairement, c'est pas mon délire. Je veux vous offrir un service de qualité et être au top pour chaque personne. Donc, c'est pour ça que je me limite à 2 consultations le mardi, 2 consultations le vendredi. Ça me fait 4 consultations par semaine et terminé, basta. Voilà. Bon. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est, attendez, parce que je me suis tout écrit. Non, mais j'ai été très professionnel, hein, je me suis fait une note et tout, très très professionnel là pour le coup. Ensuite, pour les rituels personnels. Alors ça aussi, j'ai décidé de vous faire plaisir parce que vous êtes assez nombreux à me réclamer des rituels personnels. Donc j'ai décidé d'accepter les rituels personnels. Par contre, on va être sur une phase de bêta test. C'est-à-dire que je vais tester sur un temps, voir comment ça se passe, voir si ça ne m'épuise pas, voir voilà, si aussi ça vous plaît, tout simplement, hein, et voir la demande, parce que si je reçois 150 rituels là, à traiter avant la prochaine pleine lune, ça ne va pas être possible, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là aussi, je vous autorise à me contacter sur l'adresse mail consultation.fantabuleuse, l'adresse qui vient de s'afficher là, l'adresse qui est dédiée aux consultations. Consultation veut dire consultation privée pour des cartes, du pendule, ce que vous voulez, ou consultation privée pour de la magie, d'accord. C'est l'adresse mail qui regroupe les services consultation, tout mélangé, d'accord, autant magie que divinatoire, guidance, tout ce que vous voulez, ok. Donc pareil, vous m'envoyez pas d'argent, machin et tout, parce que les rituels magiques, ça va être différemment. C'est-à-dire que pour les consultations, je peux fixer un barème, mais pour la magie, c'est pas possible. Je peux pas vous dire, voilà, ça sera 20 euros, 30 euros, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que j'ai pris la décision de faire ce que vous voudrez. Oui, vous avez bien entendu, et ça implique absolument toutes les arrière-pensées que vous avez. C'est-à-dire que je ferai la magie que vous voulez. Ça peut être de la magie blanche, ça peut être de la magie noire, de la magie de tout ce que vous voulez. Par contre, qu'on soit bien d'accord, je me dédouane de toute responsabilité. Ça fait plus de 3 ans que je vous fais la chasse, que je vous explique les choses. Je vous ai fait plusieurs vidéos qui traitaient de magie pour vous expliquer les risques qu'il y avait, etc., etc. Donc, la responsabilité vous appartient à vous et à vous seul. Moi, je suis votre bras armé pour faire ce que vous avez envie que je fasse. Par contre, moi, je ferai en sorte que je sois dédouané de toute responsabilité parce que je fais juste les choses
pour vous, qu'on soit bien d'accord. Donc ce que vous me demanderez, vous le demandez bien en toute âme et conscience, hein, et avec tout ce que ça implique derrière. Donc si vous arrive des tuiles derrière, vous me contactez pas en panique ou en m'insultant, je sais pas quoi, en me disant « Oui, il m'arrive ça, ah, c'est pas mon problème, t'as voulu jouer avec ça, et ben maintenant tu payes le prix, c'est tout, c'est tu m'as commandé ça, je t'ai fait exactement ce que tu voulais, si ça ne prend pas la tournure que tu veux, et ben il fallait peut-être formuler différemment, d'accord ?» Mais vous inquiétez pas sur ça, quand on fera l'échange par mail, je vous expliquerai bien par rapport à votre demande, je vous dirai quels sont les risques potentiels, comment le rituel il peut tourner et quelles conséquences il peut y avoir, hein, parce que la magie, je la connais et parfois elle peut être assez sournoise et assez vicieuse. Je prends un exemple très concret que je vous ai cité souvent. J'ai une amie qui m'avait demandé de lui faire un rituel pour obtenir une voiture parce qu'elle en avait besoin pour un nouveau travail qu'elle avait obtenu. En soi, il n'y avait rien de mal intentionné. Au contraire, c'était quelque chose de positif. Elle venait d'avoir un nouveau travail, mais malheureusement, la pauvre, elle allait s'embêter dans les transports, donc il lui fallait une voiture. Et ben, je lui ai fait son rituel et quelques temps après, elle a eu sa voiture, mais au détriment de sa grand-mère qui est décédée et qui lui a légué sa voiture. Voyez ? Mais elle m'a juste demandé une voiture. J'ai juste demandé une voiture. C'est tout. J'ai fait, bête et discipliné, ce qu'elle m'a demandé. Voilà. Donc ça, on le verra ensemble par mail pour vous dire, attention, ça, tu me demandes ça, potentiellement, il peut arriver ça. Donc essaye de reformuler ton truc. Hein. Voilà, on essaiera, on verra ensemble pour faire un truc qui soit le mieux adapté à votre besoin. D'accord ? Et du coup, pour le prix, eh bien, bien sûr, il va dépendre de ce que vous allez me demander. Si c'est juste, par exemple, je sais pas moi, un petit sigil pour vous porter bonheur parce que vous allez passer un entretien d'embauche et bah voilà, un petit sigil avec une petite prière à faire, tout ça, c'est, j'ai envie de dire, voilà, ça coûte pas grand chose. Mais par contre, si vous me demandez un rituel très stylisé parce que votre tati que vous adorez est en phase terminale de cancer et voudriez qu'elle soit soulagée de ses douleurs, machin et tout, là par contre, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte et par conséquent, le rituel va être beaucoup plus lourd, va être beaucoup plus important. Si vous me demandez aussi des choses spécifiques qui vont nécessiter du matériel à acheter, hein, je prends par exemple, moi je sais pas, à certains rituels, alors je vais pas vous citer lesquels parce que sinon ça va vous donner des idées, mais il y a des rituels par exemple qui nécessitent des choses spécifiques, des choses qui peuvent coûter un petit peu cher à l'achat. Bon ben tout ça, je comptais pas que ça sorte de ma poche, hein. Si vous voulez que je fasse le rituel, ok, mais par contre je facturerai les objets dont j'ai besoin. Alors je suis cool, je vous facture pas ce que j'ai, d'accord, mais si je dois acheter des choses spécifiques à ce rituel, ça sera répercuté sur le truc, d'accord. Mais par contre je ferai un devis, c'est à dire que j'estimerai à combien ça coûte, etc. Je ferai une estimation et je vous dirai, voilà, j'en ai à peu près pour tant. Je suis cool, je cherche pas à vous voler non plus, d'accord ? Donc j'essaierai de pratiquer des tarifs qui sont justes et surtout, je facturerai mon temps. Il n'y a pas de raison, je vous l'ai dit, il n'y a plus de tabou maintenant à avoir là-dessus. Je vais passer du temps, je vais consacrer du temps, ce temps que je ne peux pas consacrer à d'autres personnes ou à faire mes vidéos ou autre. Donc ce temps-là, hein, on le connaît aujourd'hui, le temps c'est de l'argent. Eh ben moi j'ai été bête, ça fait 35 ans, j'ai perdu 35 ans d'argent, voilà, hein, à être toujours gentil, altruiste, à faire des trucs gratuits, machin, bidule les trucs, mais voilà, eh ben j'ai perdu 35 ans d'argent, donc ça c'est fini. Donc désormais, voilà, je facturerai le temps que je passe, le service que je propose et les objets dont j'aurai besoin, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, les tarifs, je peux pas vous donner un tarif parce que ça va changer en fonction. Si vous avez juste besoin d'un petit talisman, par exemple, je sais pas, une petite triquetra pyrogravée sur un petit disque de bois pour qu'il soit consacré et qu'il fasse office de talisman quand vous en avez besoin, etc. Bah c'est sûr que ça va pas coûter grand chose, ça va coûter le petit rondin. Je veux même pas vous coûter l'électricité ni rien, non, juste le petit rondin en bois, éventuellement l'huile, parce que bah au bout d'un moment l'huile de lin, il faudra que j'en rachète. Donc ça, il faut bien aussi que je le répète. Percute, vous voyez, enfin et encore, j'ai envie de dire l'huile de lin, ça coûte 2-3 francs 6 sous et encore c'est même pas dit que je le facture. Et les frais postaux, voilà, et le temps que j'y ai passé dessus. Donc ça se trouve, le petit sigil en bois sculpté, enfin pyrogravé, machin et tout, il a peut-être coûté entre 5 et 10 euros. Vous voyez ce que je veux dire, par rapport à un gros rituel ou je sais pas moi, une bouteille, un pot à souhait, quelque chose d'un peu stylisé ou des trucs qui vont nécessiter des pierres, etc., etc. Bah c'est sûr que le tarif il sera pas le même. Donc j'ai envie de dire que les rituels magiques sera de 5 euros, on part à 5 euros. Parce que le 5 euros ça correspond au rituel participatif de la pleine lune, donc par conséquent on part sur 5 euros jusqu'à j'ai envie de dire quelque part jusqu'à, il n'y a pas de limite, hein, parce que si vous me demandez des trucs qui sont super stylisés, que vous me demandez, moi je sais pas, par exemple un rituel qui nécessite de récupérer un os d'un cadavre,
Autant vous dire que les os de cadavres, ça se trouve pas facilement, hein. Donc, ça va nécessiter que je prenne quand même certains risques. Donc, forcément, je vais répercuter sur le prix, hein. Non, c'est une blague. C'est une blague. Je ne fais pas des choses avec des morts, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, des cadavres humains, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'en fonction de ce que vous me demanderez, bah, le prix ne sera pas le même, hein, d'accord. Et du coup, ça me permet de faire la dernière transition avec le rituel participatif. Ce fameux rituel que je devais faire donc pour la pleine lune de mai. Et puis comme vous le savez, j'ai été bien malade et le mot est faible le jour même de la pleine lune. Et ça a duré pendant une bonne semaine derrière, on va même dire 10 jours en fait, hein, parce que là, la fatigue que j'ai accumulée, ça commence que maintenant à remonter un petit peu. Donc pour vous dire que la saloperie que j'ai chopée, c'était costaud quand même, hein. Donc cette fameuse pleine lune de mai, je me suis dit que moi j'ai vu un signe. J'ai interrogé mes cartes, je me suis posé et j'ai voulu savoir. Et ce que j'ai découvert ne m'a pas étonné. Et j'ai envie de dire que ça vous étonnera pas non plus, les énergies en ce moment sont particulièrement puissantes, dues entre autres à l'alignement des planètes. Notre cher astre lunaire est très près de la Terre, ce qui fait que pour la prochaine pleine lune, qui sera la super lune des fraises, qui va tomber le 14 juin prochain, une lune qui sera en Sagittaire, donc je vous dis même pas une super lune, elle sera, écoutez bien le délire, elle sera à 363 000 km de la Terre, autrement dit très proche, donc elle sera beaucoup plus grosse que d'habitude. Et comme elle sera en plus dans l'axe de l'alignement des planètes, préparez-vous le 14 juin encore à quelque chose de costaud en termes d'énergie, voilà. Et dans mes cartes, j'ai vu que c'était pas le bon moment pour faire les choses, vraiment pas le bon moment. Donc je me suis dit que là, au lieu de faire les choses n'importe comment, c'est-à-dire que si je fais le rituel maintenant, il va falloir que je réouvre un autre rituel participatif pour la pleine lune prochaine qui est dans même pas 2 semaines. Je me suis dit c'est complètement débile. Donc ce que je vais faire, on va faire un rituel global, cette fameuse balance karmique qui doit être faite dans les règles et qui nécessite de nouvelles énergies, je vais la faire pour cette pleine lune là, cette pleine lune des fraises en Sagittaire. Et le Sagittaire est un signe fort, un signe de détermination, un signe avec son arc comme ça qui décoche la flèche et qui va droit au but. Donc on est sur une énergie qui est extrêmement forte et qui va bien avec le côté alignement des planètes, parce que ça pourrait faire penser justement au Sagittaire qui est en train de bander son arc pour tirer dans sa cible et la flèche qui file droit et par conséquent qui va s'enchaîner à travers toutes les planètes. J'ai trouvé l'énergie tellement belle pour faire ce rituel très précis, puisque la balance karmique, il y a cette idée de flèche, il y a cette idée d'équilibre et de symbiose et de choses qui sont alignées, puisque n'oubliez pas, vos vœux et vos anti-vœux doivent être alignés justement pour faire un parfait équilibre, puisque je vais m'inspirer du rituel de Anubis avec la pesée du cœur et la plume de Maat. Donc on doit être sur une parfaite équilibre, et ce parfait équilibre, eh bien j'ai vu justement cet alignement planétaire aussi. Comme j'ai repris du poil de la bête, j'en profite aussi, comme vous le savez, aujourd'hui c'est la nouvelle lune, donc notre astre là est complètement noir, donc on va être sur le début d'un nouveau cycle, on va être sur le début de quelque chose de nouveau, et ça tombe sur la fin mai. Franchement, on peut pas mieux faire. Donc aujourd'hui j'ai pris du temps pour tout nettoyer, mais quand je dis tout nettoyer, j'ai tout dégagé, j'ai épuré mon bureau, j'ai fait la poussière partout, j'ai tout nettoyé, j'ai pareil mon hôtel, j'ai changé des choses, j'ai épuré, etc., etc. Je me suis reconstitué un milieu favorable et propice à ma pratique en toute sérénité, parce que je vous cache pas que les derniers temps, comment vous dire que là, tout mon environnement, j'y sentais, je sais pas, des énergies lourdes, des énergies résiduelles, des énergies stagnantes, mauvaises. En plus, c'est là où j'étais malade, voilà. Donc, je sais pas, il y avait des mauvaises énergies. Et là, d'un coup, je me suis réveillé ce matin, ça m'a pris, je me suis dit, allez hop, tout va dégager, je vais tout nettoyer, je vais tout épurer, je vais tout faire du vide, de la place, etc. Donc, notre rituel participatif de la balance karmique se fera le 14 juin. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je ferai mon rituel lors de la pleine lune, le 14 juin, c'est-à-dire que la super lune va tomber de la nuit du 13 au 14. Donc je ferai mon rituel du 13 au 14, par contre tout ce que je filmerai sera disponible le samedi qui suit, d'accord? Donc ne soyez pas surpris, ok? Donc ce qui fait que pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de participer au rituel
de participer au rituel participatif. D'accord. Bon, ça fait une redondance, c'est pas grave. Eh bien, vous avez le temps maintenant. Hein, il vous reste une petite quinzaine de jours si vous voulez encore participer. Comme d'habitude, vous allez sur mon lien PayPal oeildanslenoir@gmail.com. Vous l'avez dans la barre d'infos en dessous du titre. N'oubliez pas. Vous me faites simplement votre petit virement de 5 euros entre proches et pas entre professionnels, sinon PayPal prend des frais. Vous mettez bien votre nom, votre prénom, votre vœu et votre anti-vœu. Et voilà, c'est tout. Je crois n'avoir rien oublié. Voilà donc pour toutes les nouvelles mesures de la chaîne. Je suis désolé, j'ai essayé de faire au plus conscrit possible, mais il y avait des choses à dire, donc la vidéo sera un petit peu longue, mais j'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Et on va juste terminer par un petit aparté pour vous dire que ça va me faire du bien, tout ce que j'ai prévu là, tout ce nouveau, de me créer aussi un rythme de la chaîne, parce que je vous cache pas que depuis 3 ans, YouTube, ça commence à me sortir par les yeux, par les oreilles, par les trous de nez, absolument partout. Pourquoi ? À cause des algorithmes, à cause des statistiques, à cause du stress que ça engendre, à cause de tout le travail que je fais, me dire oh là, faut que je fasse cette vidéo, faut que je fasse sinon tes chiffres et machin, et merde. Voilà, très clairement. Et je crois que là, mon corps et mon esprit, ils sont arrivés à un point de saturation où je me suis dit, non, mais là, Joe, c'est plus possible. Et je pense que ce que j'ai vécu là, au mois de mai, c'était vraiment un signe très fort de la vie pour me mettre à terre et pour me dire maintenant, Jonathan, tu te calmes, tu arrêtes, tu réfléchis, tu te, entre guillemets, professionnalises, tu réfléchis à des solutions qui vont être plus lucratives pour toi, parce que là aussi, je vous l'ai dit, il n'y a plus de tabou par rapport à l'argent, hein, il faut aussi que je gagne ma vie, je suis un professionnel, je suis honnête, je paye mon URSSAF, je me déclare, je paye mes impôts aux États-Unis, hein, double en plus, parce que Twitch c'est pareil, on a une partie qui est reversée aux États-Unis, donc je paye des impôts deux fois pour les États-Unis quand même, hein, qu'on se le dise. Je fais les choses de façon honnête, je suis inscrit à mon CIRET, etc. Donc merde, il y a un moment donné, il faut aussi que je travaille et que je travaille de façon honnête, que je gagne un minimum ma vie de façon décente quand même, parce que là c'est pas possible de vivre dans la peur constante de me dire mon Dieu, ce mois 200 balles YouTube, 50 euros d'URSSAF, il va te rester 150 euros, comment tu vas faire? Non, c'est pas possible, ça c'est pas possible, je n'en veux plus, c'est terminé. Et croyez-moi que ça c'est une source de stress trop importante pour moi, donc j'élimine cette source de stress. Voilà. Donc, maintenant que vous savez tout, hein, eh bien, on va débuter. Ça, par contre, ça ne changera toujours pas. J'aurai toujours la langue qui va fourcher et je vous ferai toujours autant rire, je pense. Donc, pour les consultations privées, je vous vois venir. La vidéo va sortir aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc, je vous vois venir, là, les petits coquins qui vont commencer à me contacter en me disant « Tu es libre demain ?» Alors, pas demain, on commence pas demain. On commencera à partir de vendredi. Ce vendredi, là, le vendredi qui arrive, mais pas demain. Pas demain, parce que moi il faut aussi que je commence à m'organiser, que je mette en place mon truc, je me fais mon planning que je vais me garder en tête, que je vais même afficher là à côté de mon bureau, comme ça je saurai exactement. En plus de ça, je vais pouvoir poser mon calendrier et je saurai enfin quelle date nous sommes, parce que en me réglant comme ça, je saurai quel jour on est, enfin je connaîtrai mes dates. Donc je vais d'abord m'organiser et poser tout ça calmement, et j'ai pas envie de commencer dans le rush en me disant là ça y est, il faut, non, il faut plus, je le fais. Point, c'est tout. Donc on commence les consultations à partir de vendredi. Comme vous en doutez, j'ai deux créneaux disponibles pour vendredi après-midi, puisque la vidéo vient de sortir, donc automatiquement je n'ai pas de réservation encore, hein. Et vous me contactez bien sur cette adresse mail que je vous ai donnée, et on voit bien ensemble quel jour, quelle heure, quel créneau, machin et tout, hein, d'accord. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était important que vous sachiez tout. Cette vidéo fait office de, comment on pourrait dire, d'information générale, c'est-à-dire que je vais partager cette vidéo sur Instagram, sur Facebook, dans mes différentes stories, j'en parlerai même aussi sur Twitch, comme ça tout le monde sera au courant. Donc ne venez pas me dire dans 2-3 jours, hein, un petit MP, un petit mail, n'importe quoi, pour me dire « Ah nanana, je joue le rituel participatif, ah nanana ». Non, vous avez toutes les infos là sur la vidéo. Donc là, maintenant c'est terminé. Jojo, il est sympa, mais c'est terminé, il ne répète plus les choses. Il le dit une fois, c'est enregistré, c'est bien, c'est pas enregistré, tant pis. Vous irez chercher l'information après. Vous êtes des grandes personnes. Vous êtes vaccinés, tatoués pour certains, majeurs, etc., avec des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants pour certains aussi, hein. Donc, j'estime que j'ai pas à vous prendre par la main en vous disant, fais tes recherches, regarde, machin. Non, il y a un moment donné où on donne les informations, les gens ils le savent pas, mais quand la fa...
à la rigueur, je vous donnerai pas l'information, je pourrais comprendre que vous soyez perdu, mais là, franchement, je donne tout sur la chaîne, sur les réseaux sociaux, absolument partout. C'est impossible de passer à côté de l'information, très clairement, vraiment. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous savez le petit racolage de youtubeur, vous commentez, vous likez, ça aussi c'est j'aime pas le dire et je crois que je vais arrêter de le dire, c'est-à-dire que vous savez ce qu'il y a à faire tout simplement hein. J'aimerais avec votre aide, si vous êtes d'accord, j'aimerais pouvoir me sortir financièrement de cet engrenage de YouTube, très clairement. J'aimerais vivre autrement, de façon décente et pas prisonnier de YouTube pour récolter des têtes d'allumettes déjà brûlées. Hein. C'est plus vivable comme ça. Je pense que personne parmi vous ne vivrait comme je vis. Personne n'accepterait cette situation, très clairement. Donc, on fait un travail collaboratif ensemble. Je vous aide, vous m'aidez, et voilà. Et on avance tous ensemble. Merci à tous, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et donc, on se retrouve, si vous avez bien suivi, hein, si vous avez bien suivi, on se retrouve mercredi pour une vidéo découverte. Et ce ne sera pas n'importe quelle découverte, parce que là aussi, il faut que je rattrape mon retard. On va se faire la review de 3 magnifiques tarots que Arcana Sacra m'avait récemment envoyé. À savoir celui-ci, celui-ci et le tarot des 7 vertus. Voilà, on se fera une triple review, une vidéo bien complète où je présenterai les 3 jeux en même temps. Et voilà, donc mercredi pour cette vidéo-là. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse.